Organisé par la Ligue provinciale du tennis du Nord Kivu, dirigé par l'honorable Simon Kazungu Mwahirwa, député provincial élu de la ville de Butembo, la troisième édition du tournoi régional du tennis pour la paix qui a réuni les tennismen de toutes catégories venus de l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, du 4 au 9 juillet 2017 sur les terrain de l'hôtel Caribou et Cercle Sportif de Goma s'est clôturé ce dimanche 9 juillet 2017 au Cercle Sportif de Goma après la finale des professionnels adultes remportée côté masculin par M. Denis Indondo alias Aboma, champion de la RDC médaille d'or d'Afrique contre Duncan Amugabe, champion de l'Ouganda sous l'arbitrage de l'international rwandais. Côté féminin, cette compétition régionale dont la convivialité la fraternité ont été au-delà de la victoire des uns contre les autres. La championne de la RD Congo Nancy Onya a courbé les chines face à la Kenyane Shufa Changawa Rua, championne du pays de Jomo Kenyatta, qui joue dans de grandes compétitions mondiales, qui est aussi dans l'équipe nationale Harambee Stars tennismen féminin. Et à cette occasion, côté junior, c'est la Rwandaise de 16 ans qui a remporté la victoire. Sous une ambiance très riche en couleurs, en présence du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Maître Feller Lutechiro Mulohale, le représentant du Comité olympique mondial du tennis, les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu, dont M. Pierre Kabanda Kayoboti, qui est d'ailleurs non seulement tennisman de sang, mais aussi sponsor permanent, le directeur général de la compagnie Prémidis, M. Kassimou, le président des tennismen du Rwanda. Cette troisième édition dénommée Goma Open Prémidis Trophy, sponsor officiel de cette troisième édition régionale, avant la remise des trophées et autres prix dont les médailles et enveloppes pour chaque participant, le protocole a commencé par présenter les pays qui ont envoyé leurs athlètes et c'était sous l'ambiance et du rythme de chaque pays. La délégation kenyane va devoir passer sous les orientations du protocole. La délégation kenyane sera suivie par la délégation rwandaise. La délégation rwandaise. Thank you.
La suite, c'est le moment des discours, à commencer par l'honorable Simon Kazungu, président de la Ligue provinciale de tennis du Nord Kivu, qui a fait ressusciter ce sport dans le centre, car venait totalement oublié sur la liste d'autres disciplines sportives dans la province du Nord Kivu. Merci beaucoup. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, représentant personnel du gouvernement. Excellence, monsieur le ministre des Finances. Je ne sais pas s'il faut dire honorable. Distingués invités en vos titres, rang et qualité distinctive. Nous sommes en train de vous remercier et nous sommes vraiment émotionnés pour ce bon déroulement de ce tournoi. Nous savons qu'au début, il n'y a personne qui croyait qu'on allait arriver à la fin. Mais nous voilà à la fin de ce tournoi et nous sommes en train de remercier le bon Dieu. Nous remercions en particulier le gouvernement provincial qui nous accompagne et tous nos partenaires qui viennent d'être cités avec le plus grand des partenaires, Prémidis SARL, et je voudrais qu'on acclame réellement ces grands partenaires. Je suis en train de remercier aussi l'envoyé ou le délégué de l'ITF, M. Michel, qui s'est battu pour arriver avec la délégation rwandaise conduite par M. Kassim. Je crois que M. Kassim, vous méritez vraiment nos encouragements parce que vous êtes en train de nous aider dans les conseils et dans beaucoup de choses. Nous avons trouvé un terme au courant de cette compétition et je vais le lire parce que je ne sais pas le dire. Et ce terme, il m'a plu parce qu'il est en Kinyarwanda. Il a été dit ceci au courant de cette compétition. Il y a tuna nié ou abishoboye. Ça veut dire ce que les autres n'ont pas réussi, ce que les grands n'ont pas réussi, vous, vous avez réussi. Et ce mot a été lancé, cette phrase a été lancée, c'est quand la petite Rwandaise, au niveau de la finale entre les moins de 16 ans, la finale qui était en train d'opposer une petite Rwandaise à une petite Congolaise, c'est la petite Rwandaise qui l'a emportée. Et voilà ce qui a été lancé par la délégation rwandaise. Ça m'a plu tellement que j'ai retenu cela, que même si on a échoué ailleurs, on peut réussir par cette petite. Et je crois que la Bible dit aussi la même chose. Parce que de Nazareth, on ne croyait pas que le Messie pouvait venir de Nazareth. Je crois que aussi au niveau du tennis au Congo, il n'y a personne qui pouvait croire qu'à Goma, on peut organiser de très grandes compétitions comme les compétitions que nous sommes en train de faire. Et je crois qu'au cercle sportif de Goma, avec tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons dans l'environnement, on ne peut jamais croire qu'il y ait de bonnes choses qui peuvent venir de ce cercle sportif de Goma. Voilà pourquoi nous avons pris cette phrase en langue rwandaise qui est vraiment pour moi significative parce que ce que les autres n'ont pas pu réussir, vous la population de Goma, vous les ramasseurs de Goma, vous le comité de la Ligue provinciale de tennis de Goma, vous avez pu l'accomplir. Je crois que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est le temps maintenant de la fête. Et la fête doit commencer. On doit passer aux bonnes choses qui seront la remise des trophées et la suite avec le barbecue qui va suivre. Et je demanderai à tout le monde qui est arrivé d'attendre ce barbecue parce qu'il est pour tout le monde. Et je crois que notre entreprise Prémidis a prévu avoir pour tout le monde. Voilà pourquoi nous tous nous sommes en train de dire bon appétit et à votre soif. Parlant au nom du comité olympique du tennis, M. Ristan et Michel, envoyé de la Fédération internationale de tennis, a vivement remercié l'hospitalité de la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier.
monsieur le vice-gouverneur représentant le gouverneur de la province, monsieur le ministre des Finances, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et... En vos titres et grades, mesdames et messieurs les représentants des sponsors, mesdames et messieurs du comité de la Ligue du Nord Kivu, chers participants, permettez-moi d'exprimer mes remerciements pour l'accueil, l'invitation et l'accueil qui m'ont été réservés ici à Goma. Goma que j'ai découvert. Je suis très heureux d'être là, d'avoir assisté à cette compétition et d'avoir observé un certain nombre de choses. Et puisque l'honneur m'est choix de parler au nom de l'institution que je représente, je voudrais exprimer ici un triple satisfaction. Le premier, c'est d'abord l'organisation de cet événement qui est à la troisième édition et que chaque édition est en perpétuelle progression en termes de participation, parce que cette année il y a 6 pays qui sont représentés, parce que cette année il y a à la fois les professionnels mais également les juniors. Le second satisfait est la qualité du jeu qui a été produit tout au long de la semaine. Nous avons assisté à de très belles rencontres, autant chez les dames, chez les filles, que chez les garçons et les hommes, qui s'est clôturée par une très belle finale. Donc, ce satisfait laisse la place à un autre, celui de la participation des plus jeunes. Parce que pour la Fédération internationale, l'avenir c'est la jeunesse. Donc tous les efforts que vous faites en termes de développement dans les catégories des jeunes est à louer. Et soyez assurés que la Fédération internationale supporte ce genre d'initiative. Donc, fort de ces observations dont je me ferai l'écho en haut lieu, je suis très satisfait d'avoir fait le déplacement de Goma. Je voudrais, avant de conclure, exprimer une motion spéciale pour le public qui a fait le déplacement nombreux. Je suis très heureux d'avoir constater l'engouement que suscite le tennis ici à Goma. Car avec deux cours de tennis ici au cercle sportif et deux cours à l'hôtel Caribou, voir autant de public est très, très encourageant pour la suite. Donc sur ce, je voudrais que nous applaudissions très nombreux, que vous vous applaudissiez, vous, très nombreux, parce que vous avez fait le déplacement et c'est très encourageant. Je voudrais terminer par remercier la Fédération rwandaise de tennis par laquelle j'ai fait le déplacement et qui a bien voulu que j'assiste à cet événement, au premier rang duquel le président de la Fédération. Merci. C'est le moment de remise des trophées et autres prix. L'ambiance et la convivialité montent la hauteur au cercle sportif de Goma. Nous voulons passer maintenant aux remises des trophées. Des trophées qui ont des griffes Premieris. Nous réitérons encore notre félicitation à cette entreprise qui soutient les sports au Nord Kivu. Sans tarder, nous invitons M. Bertin, le premier vice-président de la Ligue provinciale des tennis.
qui va passer pour diriger cette étape des remises des trophées. Merci. Je passe directement à la remise des trophées et des prix. Je commence par la catégorie des plus jeunes, c'est-à-dire la catégorie des cadets. La catégorie des cadets. Les cadets, on commence par les filles. À la troisième place, il y avait Cathy Bolangui de Goma. Unapita hoteli usu, unafika rompo ebedeje, unafika rompo chupudu. Kila kitu, chakula nzuri, wasani wote. Napenda sana deko, nataka sana deko, nataju sana deko. Wasani nzuri takuta wakienda utapede. Mewesa neta mukota, minja hendo sankota sana. Nzuri kama Mishka Production. Production. Ndugu zangu marafiki mjema, muone, muone. Mama somo nzuri tunazo mazunguka hapo na hapo. Na no, mjema muone. Yeah, 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 yeah. Tunazo. Hapa Goma ni kwetu, siwezi kupasa au. Hapa kuna mambo mazuri sana. Ukifika Goma utakutana Balet, utakuta kefe batumike Fongoji, mwengi sana Sita wasemba sababu na imu Zorigi siya livyo Kukula ugali na sumbi Kalama na kwea Untuale aholi kwenda Ona tinda tine Na wala telefongi hapa Tinda feyo kanina niniwe Na kwea Untuale aholi kwenda Ona tinda tine Na wala telefongi hapa Tinda feyo kanina niniwe Mustafa Kulana
Clôtira officiellement le tournoi. Dans son discours, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Maître Feller Rutaichiro Amulohale, dans son allocution, s'est réjoui de voir cette discipline réunir les athlètes venus des pays de la sous-région de Grand Lac, un signal fort non seulement pour le bon voisinage, mais aussi un cachet très diplomatique. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, s'est représenté. Monsieur le président de la Ligue provinciale de tennis du Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres des différentes délégations venues de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, de la Zambie, du Burundi et des provinces de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, chers athlètes, c'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de me tenir devant cette auguste assemblée ce jour, à l'occasion de la clôture de la troisième édition du tournoi Régional Scopé, qui s'est déroulé en province du Nord Kivu. À travers la ville touristique de Goma. Le choix de la province du Nord Kivu pour la tenue de cette énorme activité sportive fait pour moi un sentiment de satisfaction et pour l'ensemble de la population du Nord Kivu, je profite de cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements les plus particuliers à Monsieur le Président de la Ligue provinciale de tennis, ainsi qu'à toute l'équipe organisationnelle, car ce choix porté au nom du groupe permettra non seulement aux filles et fils de la terre de Congo d'avoir une nouvelle image de la province du Nord Kivu, mais également celle de ceux des pays de la région des Grands Lacs, en dehors de l'insécurité qui a toujours été posée et ensuite vendue par des gens et nous qualifiant des ennemis de la paix dans le but d'empêcher les investisseurs et tout autre partenaire de venir fonctionner et investir dans notre jeune province. Mes sentiments de gratitude sont adressés également à Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la mise en œuvre du processus de stabilisation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et sur celle de la province du Nord Kivu en particulier. Raison pour laquelle l'ensemble de la population à travers le gouvernement provincial du Nord Kivu que je représente rend un vibrant hommage au président de la République pour sa volonté manifeste dans l'accompagnement et le soutien de la jeunesse à travers les activités à caractère sportif, socio-culturel et pacifique. Convaincu de l'importance de ce terme dénommé tournoi régional de paix qui a effectivement répondu aux besoins de la province du Nord Kivu, l'égard aux différents événements qu'elle traverse depuis une décennie. Cette grande activité sportive vient encore renforcer davantage et confirmer le climat de paix et de cohabitation pacifique
entre les pays de la sous-région à travers les athlètes qui présentement participent avec nous aux différents jeux organisés par la Ligue provinciale de tennis du Nord-Kivu. Dans cette optique, je saisis ce moment précis pour encourager nos hôtes venus des différents pays qui ont favorablement accepté de prendre part à cette compétition organisée en province du Nord-Kivu en vue de porter haut l'étendard de l'Afrique en général et de la sous-région des Grands Lacs en particulier. La sélection des athlètes venus des différentes villes de la République démocratique du Congo, notre cher pays, prouve en face du monde que nos jeunes gens possèdent des grandes potentialités, c'est-à-dire des talents, des aptitudes qui, une fois exploités, peuvent facilement contribuer au développement de toute l'Afrique par la vulgarisation des messages de paix, de cohabitation pacifique, de tolérance, d'amour, de sportivité entre les différentes nations. C'est pourquoi je félicite également notre athlète Denis, venu de Kinshasa, qui non seulement s'est qualifié pour la finale, mais a pu remporter la finale. Cela étant, je me sens dans l'obligation d'adresser mon message d'interpellation à la jeunesse du Nord-Kivu. C'est lui de focaliser plus sa pensée dans l'épanouissement des activités pouvant lui permettre d'envisager l'esprit d'initiative, de créativité, car l'avenir de cette province en dépendra. C'est en ces termes, donc, tout en remerciant les organisateurs et tous les sponsors. Je peux en citer certains. Premier 10, BCDC, Vodacom et tous les autres que nous invitons à travailler dans un collectif de sponsors pour que les prochaines émissions soient beaucoup plus éclatantes que les précédentes de celles-ci. C'est par ces termes et ces mots que je déclare close cette grande activité sportive de haute considération diplomatique organisée par la Ligue provinciale de tennis dans la ville touristique de Goma. Je vous remercie. La Kenyane Choufa Changa Warua, championne de cette compétition catégorie dames, parlant en langue kiswahili, n'a pas caché sa satisfaction. Anasema? Naitwa Choufa Changa Warua, kutoka Kenya. Ah, umebuka ushindi, nini furaha gani nayo? Nasikia furaha sana sababu mwaka jana sikuweza kushinda, nilipata injury, nilifika finali lakini sikuweza kushinda, nilipata injury. But this time nimesema lazima nishinde Goma Open. Ikiwa unashinda tutasema ni Harambee Stars ndiye imeshinda. No, tennis. Long tennis. Team Changawa, Team Dark City from Mombasa, Kenya. Yani hata uko hapa, ikiwa uko nje ya Kenya, wewe huenda taifa lako likakuchukua kama ambassador, kwani kikombe hichi ambacho chapeleka ni kwa Wakenya wote. Unaweza unichukua kama ambassador sababu nimefanya vizuri Goma na watafurahia. Haya, ni mara ngapi unabuka ushindi kama huyu? Sieze sababu mara nyingi sana mara nyingi. Mashindano gani ya kimataifa ambayo imeshiriki? Nimeshiriki Fed Cup mwezi jana, ilikuwa Europe. Na tulifanya vizuri kama wa Kenya, kwa kuna nchi mbalimbali. Hiyo ni mashindano ya kimataifa, so ni mashindano makali sana. Na nashukuru tulifanya vizuri. Na huko nyumbani kwenu Kenya, hauchezi kwa timu ya taifa? Mimi nachezea Kenya, mimi ndio number one wa Kenya. Harambee Stars. Okay, whatever. Asante.
Même chose pour Dankana Mugabe, champion de l'Ouganda, qui, lors de cette compétition, a occupé la deuxième place catégorie masculine. Il nous a parlé en anglais. I don't know, I was a bit erratic and the whole thing, I was a process and the better man is up to it today and I just have to work a little bit more. I just came from Nairobi winning Kenya Open, doubles, singles and mixed doubles finals, so I have a lot of matches in me, so probably the fatigue got to me at the end there, so, but I'm happy with my progression and how I'm playing at the moment and I know I'll take a rest right now and then move on to bigger tournaments in Europe and Northern Africa. So I'm happy with my progression and how I'm getting on in my tennis. And it's shown that all I need to do is a little bit of adjustments and polish up a few strokes and I'll be right. I'm happy with how I'm playing. So it's not the first time to find Dirindondo in the final today. How was the game? Yeah, it's always good playing against Dennis. He's a good competitor. Yeah, he's a good competitor, and it's always good to play against him. DRC, so he has a lot of home support. Yeah, but that's fine with me, and I'm happy with my progression. Yeah. The next time, how can you find again your tennis? You're going to continue or no? I don't see myself coming back and trying to play again finals again. It's a bit tiring. So I don't know. We'll see with my schedule next year how I'm going along, but I plan to be in bigger tournaments than this by next year. Denis Indondo, qui venait de remporter la victoire, l'a manifesté à la Congolaise au rythme Fimbo Chicote. Selon le comité organisateur en province du Nord Kivu, l'une des prochaines compétitions de tennis pourrait avoir lieu dans l'autre ville qui n'est pas Goma, soit Butembo ou la ville de Beni.